Bonjour, je vais vous parler d'un ami. Ouais, il est overbooké. Il travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Et il me demande une chose très importante. C'est de l'aider à perdre moins de temps au potager. Le travail du sol, le bêchage, le désherbage, les multiples arrosages, la lutte contre les ravageurs. Sincèrement, je les envie ces permaculteurs qui arrivent à plus perdre de temps au potager. Travaillez moins pour glander plus. Méditez ça. Cet entrepreneur overbooké me demandait de lui conseiller un livre qui pourrait l'aider. Cependant, il existe une technique en jardinage, ouais, une technique ultra simple et qui permet d'économiser énormément de temps. Et cette technique... Et cette technique qui va nous aider, c'est... Donc, cette technique qui va tant nous aider au potager, c'est... Peu importe que vous ayez travaillé votre sol, retourné, bêché, ratissé ou pas, la technique que je vais vous montrer, c'est une technique qui se déroule juste après le semis. Et c'est maintenant que ça se passe. Ouais, c'est parti, je suis chaud, là, on y va! Voilà de la bonne matière verte azotée pour pailler et fertiliser mes cultures. Maintenant, un petit peu d'explication théorique. Vous voyez de quelle couleur c'est? C'est vert. C'est le printemps. Le sol et l'atmosphère se réchauffent, il pleut encore, ça pousse à fond. Pendant l'été, l'herbe grandit, elle fane. Il fait plus chaud, il y a moins de pluie. À la fin de l'été, la paille est jaune, tout est sec. Et à l'automne, les feuilles mortes tombent des arbres. À chaque saison, le végétal possède une certaine forme et une certaine couleur. Mais la saison où le végétal pousse le mieux, c'est quand c'est vert. Cette plante est verte, ce paillage est vert. C'est plein d'azote et il y a aussi tous les autres nutriments dont les plantes ont besoin. La tondeuse a bien broyé l'herbe et le jus nutritif au contact du sol va nourrir les bactéries puis les racines des légumes. Mes légumes sont très bien nourris. Ils peuvent se construire un système immunitaire et sont donc moins sensibles aux ravageurs. Et sincèrement, vous croyez que les mauvaises herbes arriveront à germer à travers ce paillage? Les jardiniers pourront enfin profiter de leur temps. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de silence à la campagne. Pour en savoir plus sur le paillage, je vous conseille la lecture de Jardiner sur sol vivant de Gilles Domenech, qui apprend à se passer du travail du sol et à gérer la fertilité par les plantes. Le potager du paresseux de Didier Hemstetter, qui lui paille avec du foin, mais il vous explique la différence. Et le petit livre du paillage et de la permaculture de Catherine Delvaux.